Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada mahtabi ilmuk wa khatabihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wa radallahumma an sadatina Abi Bakina wa Umara wa Uthmana wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, salamu alaykum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode autour d'un homme incroyable, autour de ce génie, autour de cet homme qui a changé le cours de l'histoire, de cet homme qui est notre fierté, notre bien-aimé, le bien-aimé d'Allah Azzawajal, Muhammad fils de Abdallah. Bienvenue dans ce nouvel épisode, ce cinquième épisode maintenant déjà, pour parler de cet homme incroyable, cet homme qui a changé le cours de l'humanité, le fils de Abdallah, le petit-fils de Abdelmutalib. Et arrière-petit-fils de Qusay, de Hashim, de Manaf, etc. Ces hommes-là qu'on a vus dans l'épisode précédent et que vous pouvez retrouver sur la chaîne Facebook Mohammed et sur la chaîne YouTube la mienne, Oustad Marwan, vous pouvez retrouver ces épisodes-là. On a parlé de ces hommes-là, de la généalogie du prophète, qui sont liés, ces hommes, ils sont liés en quelque sorte aux différents prophètes et on a dit pourquoi et je vous invite à retrouver. Jusqu'à maintenant, on a parlé de différents éléments, de différentes choses. On a parlé dans le premier épisode de l'importance de connaître la Sira. Puis on a parlé de la généalogie des Arabes. Et ensuite, on a évoqué qui sont les ancêtres du prophète Ali Salatu Salam. On a parlé de la religion des Arabes, quelles étaient leurs croyances, leurs valeurs, dans quoi ils étaient en train d'adhérer et de croire. Et aujourd'hui, on est enfin à Hiran, on est au moment où nous allons parler de la naissance de notre bien-aimé, la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, bismillah pour cet épisode-là, pour parler, traiter de la naissance de notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu salam. Et on est un lundi, et il y a un flashback, on va retourner en arrière et on restera un lundi. Un lundi où nous sommes en train de parler de la naissance de notre prophète. Puisque vous le savez, notre bien-aimé Ali Salatu Salam est né un lundi. Alors maintenant, on est lundi soir, ici où je me trouve en France, je ne sais pas dans quel endroit vous vous trouvez. Et nous allons simplement remonter un peu nos horloges, notre horaire, pour arriver au moment du zénith, au moment à peu près entre midi et 14h selon la période. Parce que notre bien-aimé Mohammed Ali Salatu Salam, il est né un lundi, c'est assez connu. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il est né au moment du zénith, au moment où le soleil frappait le plus. Et c'est en soi un signe de Allah Azza wa Jal, comme un élément pour nous montrer cet homme, cet enfant qui naît, il va illuminer le monde, il va illuminer les endroits. Et là où il se trouve, il n'y a pas d'ombre. Comme pour nous, dans le sud de la France, il n'y a pas en général d'ombre. C'est une région bien ensoleillée, une belle région ensoleillée. Eh bien, c'était exactement pareil. Alors c'est plutôt le moment, ce qu'on appelle Ad-Dohor, c'est-à-dire vraiment au zénith, lorsque le soleil battait le plus fort, frappait le plus fort. Eh bien, c'est à ce moment-là que notre bien-aimé Mohammed Ali Salatu Salam, il va naître. Un lundi, le lundi 12 Rabi' al-Awwal, le lundi 12 Rabi' al-Awwal de l'année de l'éléphant. Et on a parlé de ce sujet-là, de cet événement-là, la semaine dernière. Qu'est-ce que l'année de l'éléphant? Pourquoi on l'a appelé ainsi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et on avait dit la semaine dernière que c'est quelque chose qui s'est passé 5 jours. 5 jours avant la naissance du prophète Ali Salatu Salam. Alors la semaine dernière, on était il y a 5 jours avant la naissance. Et aujourd'hui, on est enfin avec la naissance de notre bien-aimé, alayhi salatu salam. Lorsque le prophète, alayhi salatu salam, va naître, sa mère Amina sera assistée par une sage-femme, comme aujourd'hui les femmes qui souhaitent être assistées au moment de leur accouchement le font. Eh bien, la femme qui va assister la mère de notre bien-aimé, la mère de notre prophète, c'est la mère tout simplement de Abdelrahman ibn Auf. Vous connaissez tous ce compagnon et on aura l'occasion de rediscuter de Abdelrahman ibn Auf tout au long de nos épisodes, au cours de nos épisodes, parce que justement, c'est ça, connaître la Sira, c'est ça, apprendre la Sira, c'est connecter les informations les unes avec les autres et comprendre, ah ok, enfin je comprends quel était le lien entre ce compagnon et notre bien-aimé, quel était le lien entre les compagnons, entre eux, entre tel homme et tel homme, entre telle femme et telle femme, entre tel homme et telle femme, et etc. et ainsi de suite. Et bien Abdelrahman ibn Auf, qui sera un grand compagnon, et pas des moindres, et bien c'est sa mère
qui a été la sage-femme, qui a aidé, j'allais dire notre mère, mais la mère plutôt de notre bien-aimé, Amina, à mettre au monde notre prophète, le bien-aimé, alayhi salatu salam. Il y a beaucoup d'informations au sujet de la naissance de notre prophète, alayhi salatu salam. Vous avez certainement déjà vu, entendu, lu, écouté plusieurs informations au sujet de sa naissance. Par exemple, on dit, les récits racontent que lorsque le prophète, alayhi salatu salam, est né, les palais de Perse, 14 au total selon ce récit-là, se seraient effondrés. On parle également de lumières qui ont jailli un peu partout. On parle de tremblements de terre pour certains. Et il y a énormément de faits qui sont racontés. Eh bien, toutes ces histoires-là, tous ces faits-là, tous ces éléments-là, excepté un seul, sont tous basés sur des choses qui ne sont pas académiques. Aucun aujourd'hui spécialiste de la Sira, aucune personne qui est vraiment spécialisée dans la Sira, ni aujourd'hui ni hier, n'affirme ces informations-là. Bien au contraire, tous disent que c'est basé sur des informations qui ne sont pas académiques, qui n'ont pas été prouvées et qui sont basées sur des récits qui ne sont pas du tout authentiques. Le seul élément extraordinaire, si on veut le résumer de cette manière-là, le seul fait extraordinaire, miraculeux qui s'est passé à la naissance de notre bien-aimé alayhi salatu salam, c'est le prophète lui-même qui le raconte. Il le raconte pas parce qu'il s'en souvient, il le raconte parce que tout simplement il raconte ce que sa mère lui a dit plus tard, ou bien c'est parce que Allah Azza wa Jalla lui a rappelé, lui a fait voir ce récit-là. On ne sait pas bien, il peut y avoir ici une divergence, mais c'est, en tout cas c'est le prophète à nous qui nous l'a enseigné, qui nous l'a raconté de sa propre bouche dans un hadith authentique. Il dit que lorsque sa mère l'a mis au monde, ou bien lorsque sa mère lui a donné la première fois le sein, ou bien lorsque il était dans le ventre. Il y a ces trois versions-là. Alors, sa mère aurait vu une lumière qui a jailli d'elle et qui est partie en direction de Sham, ce qu'on appelle aujourd'hui la Syrie. Mais Sham est beaucoup plus grand que la Syrie. Al-Sham, ça regroupe la Syrie, la Jordanie, la Palestine, le Liban. Tout ça, cette région-là, c'est ce que nous appelons chez nous les Arabes, Al-Sham, la région de Sham. Eh bien, cette lumière a jailli du corps de notre, encore une fois, j'allais dire de notre mère Amina, mais plutôt de la mère de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu salam, en direction d'Al-Sham. Eh bien, pourquoi déjà en direction d'Al-Sham? Et c'est quelque chose qui est important. Il faut qu'on étudie Asira de cette manière-là, en retirant des enseignements, en comprenant les faits, en comprenant pourquoi Allah Azza wa Jal, quand on peut bien sûr, pourquoi Allah Azza wa Jal ou pourquoi Nabi alayhi salam nous ont demandé tel événement, tel fait, telle situation, telle chose, pourquoi il s'est passé ces éléments-là. Quand on peut les comprendre, c'est important qu'on le fasse, parce que c'est de cette manière-là qu'on retient mieux, premièrement, et deuxièmement, on va se sentir plus proche de la décision d'Allah Azza wa Jal ou de celle de notre bien-aimé, alayhi salatu salam. Eh bien, pourquoi en direction de Sham? Parce que Sham est une terre bénite. Sham, c'est une terre que Allah Azza wa Jal a choisie. Sham, c'est une terre que Allah Azza wa Jal a élevée au-dessus de d'autres terres et il lui a donné une importance très grande. C'est par exemple lorsque Allah Azza wa Jal raconte, nous révèle dans le surat Al-Isra, le voyage nocturne de notre bien-aimé, et que Allah Azza wa Jal dit, nous t'avons fait voyager de Mecca, de la cité sacrée, Al-Haram, il al-Masjid al-Aqsa, vers la mosquée d'Al-Aqsa, qui se trouve aujourd'hui à Jérusalem, qui nous est chère, et que nous aimons, et que nous prions Allah Ta'ala, d'accorder et de descendre sur elle de la paix, de la sérénité, et de la quiétude, et de la sécurité surtout. Lorsque Allah Azza wa Jal dit « Il est le masjid al-Aqsa » vers la mosquée d'Al-Aqsa, Allah Azza wa Jal précise « Allati barakna hawlah » c'est-à-dire que Dieu nous dit « Il a béni tous les alentours de cette mosquée-là ». Et les alentours, les spécialistes, les mufassiroun, ceux qui nous expliquent le Coran, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent tout simplement, les alentours de la mosquée de l'Aqsa, c'est l'ensemble de Sham. Et donc, Allah Azza wa Jal dit, il a descendu al-baraka, il a descendu cette subsistance, cette sérénité et tout ce que l'on veut dans cette région-là qui est Sham. Et c'est un message fort au moment de la naissance de notre bien-aimé, alayhi salatu salam, qu'une lumière part de lui finalement, elle sort du corps de sa mère, mais c'est-à-dire ça part de lui en direction de Sham, comme un message annonciateur que cette religion
allait rentrer dans les terres d'Al-Sham et que Muhammad alayhi salatu salam va illuminer Al-Sham. Et en effet, alhamdulillah, Al-Sham est rentré dans l'islam. Al-Sham n'a pas tardé à rentrer dans l'islam et toute cette région-là a été bénie par l'islam, bénite par l'islam, secourue par l'islam et elle est rentrée dans l'histoire à travers l'islam et on espère inshallah tabaraka wa ta'ala qu'elle restera. Et d'ailleurs, vous savez que la naissance du prophète, puisque c'est l'objet de notre épisode, c'est le premier signe de la fin des temps. Le premier grand signe de la fin des temps. Cette thématique, ce sujet qui passionne qui anime beaucoup de conversations, de débats, je le vois avec mes élèves, ils me demandent toujours « Oustad, on veut parler de la fin des temps, est-ce qu'on va traiter de la fin des temps ?» C'est un sujet qui passionne. Et souvent, je leur dis, les probabilités, Allahu A'lam, c'est Dieu qui détient la science et le savoir au sujet de cette heure-là, au sujet de ce jour-là, de ce temps-là, et d'ailleurs Dieu le dit dans le Coran, yas'alunaka 'anis sa'a, il te demande au sujet de l'heure, dit que la réponse, le savoir, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui le sait, donc on ne sait pas. Mais souvent je leur dis, la probabilité, Allahu A'lam bien sûr, mais la probabilité qu'on connaît la fin de notre temps à nous est beaucoup plus forte que celle de connaître la fin des temps, parce qu'il y a de grands signes qu'on n'a pas encore vu arriver. Mais là n'est pas l'objet de la question. L'objet, pourquoi je parle de la fin des temps? Parce que le premier des signes, le premier grand signe, si la fin des temps vous intéresse, sachez-le, c'est la naissance de Nabi alayhi salatu salam. Lorsque notre bien-aimé est arrivé, eh bien cela signifiait le début des grands signes de la fin des temps. Et dans la lumière qui va dans cette direction de Sham, et alors qu'il est le premier signe de la fin des temps, nous rappelle également l'un des grands signes de la fin des temps, mais qui va arriver à la fin, parmi les derniers grands signes de la fin des temps, qui est le retour de notre bien-aimé Isa alayhi salam, qui est le retour de notre sauveur Isa alayhi salam, qui est le retour de ce prophète, fils de Maryam, qui est né sans père, ce miracle d'Allah Azza wa Jal, ce miracle que Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé, tout comme il a créé Sayyidina Adam alayhi salam. Et bien ce miracle-là va revenir à la fin des temps dans la région d'Asham également. Et bien voilà comment on voit comment cette connexion entre la région d'Asham, entre cette région-là et le prophète alayhi salatu salam, c'est finalement une connexion qui est forte, une connexion qui est grande entre ces deux endroits-là, entre ces deux régions-là. Ensuite, lorsqu'on parle également de la naissance de notre bien-aimé alayhi salatu salam, il faut parler de sa mère. Sa mère, Amina, que j'arrêtais pas de flancher au niveau de la langue et de dire notre mère Amina, mais non, la mère de Nabi alayhi salam, Amina était âgée d'environ 29 ans. Lorsqu'elle a à peu près 29 ans, elle va accoucher de notre bien-aimé prophète alayhi salatu salam, on l'a dit, avec la mère de Abdurrahman ibn Auf, qui sera la sage-femme qui va l'aider. Et il faut dire aussi que le prophète, il est le fils unique de Amina et de Abdallah. Ils n'ont pas eu d'autres enfants, si ce n'est Muhammad alayhi salatu salam. Par contre, notre bien-aimé prophète, alayhi salatu salam, lui, il aura d'autres frères et sœurs. Il aura des frères et sœurs qui seront plutôt issus du fait que ses nourrices vont l'allaiter. Et donc, on va y revenir, on en reparlera, et notamment d'une d'entre elles. Aussi, lorsque nous parlons de la naissance du prophète, alayhi salatu salam, il faut savoir que le prophète est né dans la maison dans laquelle il a grandi, la maison de son père, Abdallah. C'est dans cette maison-là qu'il va grandir, qu'il va vivre, et c'est à partir de cette maison-là qu'il va faire l'hijra. Alors lorsqu'il s'est marié, et on verra, on va pas spoiler les épisodes à l'avance, mais lorsqu'il va se marier, Nabi va vivre dans la maison de Khadija, on verra ces éléments-là. Mais l'égir va se faire depuis la maison de son père, cette maison-là dans laquelle il est né, et cette maison-là, elle était dans le quartier de Banu Amir, qui aujourd'hui est le quartier de Souq al-Layl, qui existe toujours ce quartier-là, mais il n'y a plus cette maison-là, puisque vous savez, avec la construction, l'extension de la mosquée et les différents aménagements qu'il y a, on n'a plus aujourd'hui les anciennes maisons, les anciens lieux de la Sira n'existent plus, ou très peu en tout cas, autour de la Kaaba, on n'en a plus énormément.
Mais l'endroit dans lequel il a vécu, donc ce quartier-là qu'on appelle Souq al-Layl, et également l'avenue, elle s'appelle l'avenue de la naissance, la rue de la naissance, l'avenue de la naissance, le boulevard de la naissance, parce que c'est dans cet endroit-là, dans cette avenue-là, que notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, est né. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Lorsqu'on apprend comme ça la sirah, c'est bien, c'est important de prendre des notes ou de s'en rappeler, de se remémorer, de regarder le replay, à la fois sur la chaîne Facebook ou bien sur la chaîne YouTube, de manière à vraiment vivre avec la sira. Et lorsque Allah Azzawajal va nous honorer, va nous donner ce privilège de pouvoir nous déplacer sur place à Mecca et d'aller voir, il n'y a pas que cette tour, cet immense building qui doit nous intéresser. Mais ce qui doit nous intéresser, c'est l'endroit où est né le prophète, l'endroit où a reçu la révélation, l'endroit où le prophète, alayhi salam, a reçu la révélation. Ce qui doit nous intéresser, c'est ce premier endroit où le prophète, alayhi salam, a entendu une pierre lui dire assalamu alayka, ou bien cet arbre. Ce qui doit nous intéresser, c'est les endroits dans lesquels Khadija a pris notre bien-aimé dans ses bras et elle lui a dit la tahaf, n'aie pas peur, mais rien de mal ne peut t'arriver et qui commence par assalam. Ce qui doit nous intéresser, ce sont ces lieux historiques de notre religion. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans une période de commémoration avec les guerres mondiales que l'humanité a connues. Et en général, lorsqu'il y a commémoration, on se rend dans certains lieux qui sont importants, à Verdun, par exemple, à Vichy, qui sont des lieux qui ont marqué l'histoire de notre République, l'histoire de la France. Et n'importe quelle nation, n'importe quelle civilisation, elle a des endroits qui ont marqué sa civilisation, à tort, à travers des endroits qu'elle est fière, d'autres endroits qu'elle a beaucoup plus honte, mais il y a des lieux qui sont symboliques et qui ont leur importance. Eh bien, l'islam a aussi des lieux qui sont importants, qui ont leur importance, et ces lieux-là, les lieux de la Sira, ont leur importance. Et je vous invite vraiment vivement à noter ces lieux-là, à noter les lieux dans lesquels il y a eu le puits de Zamzam. Nous avons parlé par exemple de ce puits-là, nous avons parlé de l'endroit donc où Abdelmontalib va déterrer, on a parlé de l'endroit où le père de Nabi alayhi salam va être sauvé et il ne va pas être sacrifié, d'où le fait que le prophète va dire je suis le fils des deux sacrifiés, c'est-à-dire Ismaïl alayhi salam et son père Abdallah, on a raconté l'histoire dans les épisodes précédents. Eh bien, tous ces lieux-là ont leur importance et il est nécessaire qu'on les note de manière peut-être à pouvoir revivre ces événements en se déplaçant, en y allant, et ça aura au moins ce mérite-là de pouvoir faire revivre en nous l'histoire de notre bien-aimé, alayhi salatu salam. Alors le prophète est né, on l'a dit, dans le quartier des Bani Amir, près de As-Safa, vous savez, ces deux montagnes, et d'ailleurs on avait également parlé de As-Safa wa Marwa, et pourquoi elles ont leur importance. Et aussi, ce qu'il y a d'intéressant à faire lorsqu'on apprend la sira de notre bien-aimé, c'est de la transposer dans notre quotidien, dans notre vie. Prendre un élément de la vie de Nabi alayhi salam et essayer de le reproduire. Par exemple, lorsqu'on sait aujourd'hui que le prophète alayhi salatu salam est né dans le quartier des Bani Amir, on sait qu'aujourd'hui, cet endroit-là, c'est le quartier de Souq al-Layl. On sait que cette avenue s'appelle l'avenue de la naissance. Et il y a quelque chose, en préparant le cours, je me suis dit, et c'est l'agent immobilier qu'il y a en moi qui vous parle, je me suis dit, c'est vrai que souvent, quand on se balade dans des pavillons, certains d'entre vous peut-être vivent dans des pavillons, on a tendance à trouver dans certains pavillons Villa Masséna, Villa Intel. Vous savez, les Occidentaux, notamment en France, ils ont parfois l'habitude de donner un nom à leur maison. Et je me suis dit, mais en réalité, on fait pareil. Dar al-Arqam, Dar al-Nadwa, il y a ces maisons, Bayt Allah. Nous appelons nous aussi des maisons, en réalité, elles ont un nom. Eh bien, ce serait intéressant, peut-être, c'est un petit défi que je vous lance, à chacun d'entre vous, appelez votre pavillon avec un nom, le nom de votre choix, la villa qui porte une villa qui porte votre prénom, peu importe, ou bien une villa qui porte le nom d'un des compagnons, d'une des compagnonnes, ou un des faits, un des événements, un des lieux de notre religion. Ça aura le mérite que lorsque vous allez recevoir des invités, ils vont se dire, mais
pourquoi l'appeler ainsi? Et là, le sujet peut être ouvert, le savoir peut être transmis. Et vous voyez, ça peut être vos voisins qui vont se poser la question, tiens, c'est un nom peu commun que je vois là, pourquoi vous l'avez appelé ainsi? Voilà, là aussi, un moyen de faire passer ad-dahwa, de lancer un message et de échanger tout simplement de manière agréable en piquant la curiosité des uns et des autres. Au sujet de notre religion et de notre foi. Prenons par exemple ce défi-là pour permettre de diffuser le savoir. Et Nabi alayhi salam nous a enseigné cela. On est en train d'étudier sa vie. Nabi nous a enseigné lorsque, alayhi salam, lorsque vous apprenez une chose, vous devez l'enseigner. Ne serait-ce que la lettre alif. Ne serait-ce que la lettre alif, si je la connais, je me dois de l'enseigner. Voilà peut-être un des moyens pour transmettre ce savoir-là. Alors, on a dit que tous les événements qui ont relaté, que les gens relatent aujourd'hui, et qui est de l'ordre du populaire sur la vie de notre prophète, alayhi salam, ne sont pas réels. Le seul fait, c'est cette lumière-là. Ensuite, lorsque le prophète va naître, la rumeur, enfin, plutôt pas la rumeur, mais l'information va se diffuser, va circuler de partout dans Quraysh, et on va mandater tous les enfants ou les servantes, les servants, les esclaves pour transmettre cette nouvelle-là, parce que c'est une nouvelle qui réjouit tout le clan de Banu Hashim. La mère d'abord, la mère du prophète, quand elle va accoucher, elle le prend, et la première personne qui en est informée, c'est Abd al-Muttalib, le grand-père. Elle va donc lui présenter. Là, Abd al-Muttalib prend Nabi alayhi salam, qui est un nourrisson, parce que souvent, on pense au prophète en tant qu'homme, en tant que leader, en tant que chef d'État, en tant que guide spirituel. Mais Nabi a été un bébé, un nourrisson. Et là aussi, c'est un moyen, lorsqu'on porte un bébé dans nos bras, lorsqu'on voit un enfant dans nos bras, on doit se rappeler notre bien-aimé, l'homme qui a changé l'humanité, il était qu'un enfant. Puisse Allah Azza wa Jal faire que tous ces enfants qui naissent dans notre communauté puissent à leur tour changer le cours de l'humanité et apporter des solutions et pas apporter des problèmes, puissent apporter de la miséricorde et pas apporter de la division, puissent changer les choses, puissent devenir de grands savants et des fidèles suiveurs de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Il était un nourrisson, il était un bébé, porté par sa mère d'abord, porté par son grand-père ensuite, qui le prend et il l'emmène dans la Kaaba. Cette Kaaba, nous avons parlé dans le deuxième épisode, pourquoi elle était importante aux yeux des Arabes. Eh bien, lorsque Abd al-Muttalib le prend, il va rentrer dans la Kaaba et il va prier. Et n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on a dit? La famille de Rasulillah n'a jamais cru, n'a jamais été de grands adorateurs des idoles, comme les autres Arabes le faisaient. Ils pensaient qu'il y avait, bien sûr, tout Quraysh croit en Allah, mais ils pensent que pour adorer Allah Azza wa Jal, il faut fabriquer des statues, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle le père du prophète s'appelle Abdallah, l'esclave de Allah. C'est aussi la raison pour laquelle ils n'ont pas fabriqué des statues d'Allah Azza wa Jal. Ils l'ont fait pour Ruben, ils l'ont fait pour Al-Lat, ils l'ont fait pour Al-Uzza, ils l'ont fait pour toutes les divinités, 360 divinités. Mais jamais Quraysh n'a fait une divinité, n'a représenté la divinité Allah Azza wa Jal, jamais. Parce que ils savent que Allah Tabaraka wa Ta'ala est au-dessus de toutes ces divinités-là. Ils savent que Allah Azza wa Jal est sacré. Ils savent qu'Allah Azza wa Jal est l'être suprême. Ils savent qu'Allah Azza wa Jal, on ne peut le représenter. Mais ils pensent que pour adorer Allah Azza wa Jal, il faut passer par des saints, il faut passer par des statues. Et c'est à nous maintenant de ne pas reproduire ça. Nous n'avons pas besoin d'un saint pour prier Allah Azza wa Jal. Nous n'avons pas besoin d'un imam pour nous faire ad-dua. Nous n'avons pas besoin d'un savant pour nous transmettre une invocation à Allah Azza wa Jal. Non, nous pouvons. Idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Si tu veux demander, demande directement à Allah. Et si tu cherches secours ou protection, fais-le directement auprès d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah Azza wa Jal. Enfin, Abd al-Muttalib, lorsqu'il prie dans la Kaaba, ensuite il sort et c'est là où il annonce la bonne nouvelle, cette information qui le réjouit énormément. Et pourtant, il n'était pas le premier grand-père. Il a eu d'autres petits-enfants. Mais là, par contre, c'est une nouvelle qui
qui est trop importante pour lui et il veut que ça se sache de partout. Et maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on a une bonne nouvelle, si on est féru des réseaux sociaux, on va tweeter en premier, on va mettre une publication Instagram ou un Snap ou une publication Facebook par exemple. Peut-être l'information première nouvelle, on va la mettre sur les réseaux sociaux et notre famille la découvrira sur les réseaux sociaux avant même qu'on envoie un message ou un appel aux différentes personnes qui nous sont proches et d'ailleurs pas que la famille, puisque la famille c'est aussi les êtres, les uns et les autres qu'on a choisi d'inclure à l'intérieur de notre famille. Eh bien, Abdelmutallab, à cette époque-là, lorsqu'on veut que la nouvelle se répand un peu partout, eh bien, on l'a dit aux enfants et aux esclaves, et ils sont chargés de le répandre un peu partout. Et on sait que les enfants, lorsqu'ils entendent quelque chose, vite, ils partent le raconter de partout. Eh bien, il va le dire, et c'est une jeune fille qui nous intéresse au moment là où je suis en train de parler, une esclave, qui s'appelle Thuwaiba. Cette esclave Thuwaiba, elle va être chargée d'informer son maître. Et son maître n'est autre que Abu Lahab. Abu Lahab, l'oncle du prophète, celui-là même qui va dire, et on le verra plus tard, qui va dire au prophète, tu es un menteur, tu nous as rassemblés, astaghfirullah, tu nous as rassemblés pour nous raconter des bêtises. Et Allah Azza wa Jal qui va révéler à son sujet, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Mais c'est une autre histoire, on verra. Eh bien cet homme-là, mais que vous connaissez, Abu Lahab qui a été très hostile à Nabi alayhi salam, Abu Lahab qui a été très méchant avec Rasulullah, Abu Lahab qui a été un grand, entre guillemets, mais un grand personnage qui a voulu détruire l'islam, qui a voulu discréditer notre bien-aimé alayhi salatu salam, eh bien, que va faire Abu Lahab lorsqu'il entend Thuwaiba lui dire « Tu es un tonton pour une nouvelle fois » et Abdallah a eu un fils, alors Abdallah était décédé, mais Abdallah a eu un fils qui s'appelle Mohammed. Abdelmutallab, ton père, l'a appelé Mohammed, eh bien, il sera trop content de cette nouvelle-là. Et en effet, le frère Mohammed Fadel, qui vous spoil tous, et en effet, Abu Lahab va affranchir Thuwaiba tellement il est content, il va lui dire « Tu es libre ». Et Thuwaiba, elle va passer du stade d'esclave au stade de servante. Il y a une nuance. L'esclave, à l'époque, c'est une personne qui est au service de son maître. Elle n'a pas de droit. L'esclave n'a aucun droit. Il est au service de son maître. Il peut être abusé sexuellement, physiquement. On peut lui imposer des heures de travail immenses. Il est simplement nourri et logé. Mais il n'est pas blanchi. Alors que la servante, c'est un travailleur. Peut-être pas avec les conditions qu'on a aujourd'hui. Peut-être pas avec des syndicats et des droits comme on peut les avoir aujourd'hui. Mais le statut de servant était un meilleur statut. Et donc là, maintenant, Thuwaiba, elle va monter en grade, en échelon, elle est promue du stade d'esclave au stade de servante, et en effet, elle va être une travailleuse, une servante auprès de Nabi alayhi salam, tout simplement parce qu'elle va devenir la nourrice de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Et vous savez, plus tard, beaucoup plus tard, lorsque Abu Lahab va décéder, il meurt, et Hamza va rêver de son frère. Hamza est le frère de Abu Lahab. Hamza va rêver de Abu Lahab et il va trouver que Abu Lahab est dans une situation vraiment très mal. Et nous le savons puisque nous considérons dans notre croyance musulmane, dans le sunnisme, ce qu'on appelle l'orthodoxie, nous pensons que Abu Lahab est destiné au supplice et il n'est pas destiné à entrer en il n'est pas destiné à entrer au paradis, mais plutôt le lapsus, il est selon nous destiné à rester éternellement en enfer. Eh bien, Hamza va rêver de son frère qui vit ces supplices-là, et Hamza pose la question à son frère dans son rêve en lui disant « Est-ce que tu regrettes tout ce que tu as fait ?» Que va lui dire Abu Lahab ? Il va lui dire « Je regrette tout ce que j'ai fait, sauf une chose, d'avoir libéré Thuwaiba, parce que j'étais content de la naissance de Mohammed, il n'y a que cet événement-là que je ne regrette pas. Mais tout le reste des choses, je les regrette. Tout le reste des choses, je le regrette. » Et parce qu'il a libéré Thuwaiba, eh bien, il dit dans le rêve à Hamza, il dit, « Et parce que j'ai libéré Thuwaiba, alors on m'a donné un tout petit peu d'eau. On m'a donné quelques gouttes d'eau. » Regardez, subhanallah. Il y a vraiment comment Allah Azza wa Jal est juste. Abu Lahab a ce qu'il mérite.
Abu Lahab a ce qu'il mérite tout simplement parce que ce qu'il a fait à Nabi alayhi salatu salam, et on le verra au fur et à mesure des épisodes, était immonde, était horrible. Et subhanallah, c'est la décision d'Allah Azza wa Jal, et nous croyons dans cette décision-là, et nous disons que cette décision-là sera une vérité, est une vérité, et nous l'acceptons. Mais nous pouvons aussi observer comment Allah Azza wa Jal est juste et miséricordieux aussi. Et c'est ça, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est Allah Azza wa Jal qui est miséricordieux avec toute la création. Croyants et non-croyants, humains, animaux, végétaux, djinns, tout ce que vous voulez. Allah Azza wa Jal est Rahman, il est miséricordieux avec toute la création. Qu'il s'agisse des anges, des djinns, qu'il s'agisse des planètes qui sont vivantes, qu'il s'agisse des plantes, qu'il s'agisse des poissons, qu'il s'agisse des petits chatons que vous avez chez vous. Allah Azza wa Jal est Rahman avec toute la création. Et il est Rahim spécialement, spécifiquement avec les croyants. Eh bien, c'est Allah tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman ici qui sera miséricordieux avec Abu Lahab en lui donnant ses quelques gouttes d'eau. Finalement, c'est ce qu'il a mérité. On espère, bi'idnillah, qu'on méritera beaucoup plus que quelques gouttes d'eau dans l'autre monde. Nous espérons, et puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de mériter largement plus, mais de nous permettre pas de boire quelques gouttes d'eau, mais de pouvoir s'abreuver autant qu'on le souhaite, autant qu'on le veut, dans le bassin d'Al-Kawthar. Allahumma amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ensuite, lorsque Abdel Muttalib, on a dit, il prie au sein de la Kaaba avec son petit-fils, et c'est là en sortant qu'il annonce la bonne nouvelle de la naissance de cet individu, de cet homme qui va changer notre vie, notre histoire, et que nous partageons aujourd'hui sa foi, sa religion, et nous en sommes des suiveurs. Eh bien, il va dire, les gens vont le questionner, comment tu vas l'appeler, comment tu vas le nommer, et il dit Mohammed. Ce prénom Mohammed, il vient de Hamada, Hamida, et il signifie quelqu'un qui va être loué, quelqu'un qui est loué dans les cieux et sur terre. C'était un prénom qui était très rare en Arabie. C'est pas le premier. Nabi n'est pas le premier à s'appeler Mohammed. Il y a des récits, des textes historiques qui montrent qu'il n'était pas le seul à s'appeler Mohammed, mais c'était très très rare. Par contre, il est le premier à s'appeler Mohammed à Mecca. Dans Quraysh, c'est le premier. Mais dans le reste de l'Arabie, il y avait quelques prénoms Mohammed très très rares. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal a fait qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, le prénom Mohammed est le nom le plus donné sur terre. Et pourtant, lorsque son grand-père l'appelle ainsi, il choisit ce prénom-là de manière qu'il soit loué sur terre et dans les cieux, tout en sachant qu'il est le premier homme de Quraysh à s'appeler ainsi, et que c'est un prénom extrêmement rare dans l'Arabie. Aujourd'hui, c'est un nom des plus communs, à tel point, je sais de l'origine de mes parents qui sont marocains, quand on va au Maroc, si on ne connaît pas le prénom de quelqu'un, on l'appelle Si Mohammed. On l'appelle Monsieur Mohammed parce que tout simplement on se dit c'est le nom commun. Ici en France, ça sera Monsieur Dupont par exemple, mais dans le monde islamique, c'est Mohammed et on a la sœur Jamila qui dit son grand frère qui s'appelle Mohammed, que Dieu le préserve, bi-idnillah. Donc Abdel Muttalib va dire je vais l'appeler Mohammed de manière qu'il soit loué, de manière que les gens prient pour lui sur terre et en même temps dans les cieux. Et voilà comment notre bien-aimé alayhi salatu salam sera appelé Mohammed par son grand-père. Et ensuite, 7 jours plus tard, Abdel Muttalib va faire une grande fête parce qu'il est toujours dans l'excitation, il est content, il est heureux d'avoir ce petit-fils qui s'appelle Mohammed et qu'il a nommé, et il est content de le porter, d'autant plus, et il faut se remettre dans le contexte, n'oubliez pas ce qu'on a dit la semaine dernière, d'autant plus que Nabi alayhi salam est orphelin de père. Et donc, à juste titre, Abdel Muttalib, il se sent comme un père pour lui. Et c'est quelque chose qui est commun et normal et humain. Aujourd'hui, si on a quelqu'un dans notre famille, il est orphelin de père et il naît, les tontons, le grand-père, les tantes, la mère, on va tous lui donner un amour beaucoup plus fort, beaucoup plus important. On va vouloir le mettre sur un piédestal parce que tout simplement, pour pallier le manque de cet enfant parce qu'il n'aura pas de père, pour ne pas qu'il le ressente, pour ne pas qu'il le sente. Eh bien, c'est exactement ce que va faire Abdel Muttalib avec cette big fête, ce big événement. 7 jours plus tard, il va égorger un chameau, il va inviter tout le village, toute la petite commune, toute la petite ville à cet événement-là.
Et il va également le circoncire. Alors certains récits, on a dit tout à l'heure, qui sont un peu peut-être farfelus, en tout cas qui ne sont pas basés sur des faits historiques, et aucun spécialiste de la Sira ne le dit. Aujourd'hui, tout le monde dit que tous les événements miraculeux, exceptionnels, ne sont pas basés sur des éléments authentiques, mais ce qu'il y a d'authentique, c'est cette lumière qu'on a dit. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que c'est Abd al-Muttalib qui va circoncire le prophète, alayhi salatu salam, 7 jours plus tard, et non pas, le prophète n'est pas né de manière circoncise. Et là, il y a une parenthèse à faire. Parce que quand j'insiste en disant, ce ne sont pas des récits qui sont authentiques que de dire que les palais ont tremblé, etc., etc. En fait, ces récits-là sont venus beaucoup plus tard. Comme pour donner une dimension surnaturelle à la naissance du prophète. En réalité, quand on fouine un peu, quand on recherche un peu, on se rend compte que finalement c'était une certaine forme de peut-être de jalousie ou de d'inquiétude, puisque Issa, Jésus chez les chrétiens, est né d'une manière miraculeuse, sans père. Il faut que notre prophète lui aussi soit né d'une manière exceptionnelle. Mais non. Issa alayhi salam est né de manière miraculeuse parce que nous y croyons, parce que Allah azza wa jal l'a dit. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il a créé Issa de la même manière qu'il a créé Adam. Mais le Nabi alayhi salam est un homme, et c'est très important de comprendre que le Nabi est un homme comme tous les hommes. Sa mère a été enceinte, elle a eu des contractions, elle a eu peut-être certainement des nausées ou pas des nausées. Il y a des femmes, elles auront plus ou moins des nausées. Sa mère a eu une grossesse tout à fait normale. Et le prophète, alayhi salatu salam, est né de la manière la plus normale. Et ça n'enlève en rien de la valeur de notre bien-aimé Mohammed, alayhi salatu salam. Au contraire, ça nous montre que cet humain a été choisi par Allah Azza wa Jal. Et Dieu le rappelle dans le Coran, chers frères et chères sœurs. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, il ne nous a pas envoyé un ange, parce que nous ne sommes pas des anges, mais il nous a envoyé un être humain, parce que nous sommes des humains, tout simplement. Il est un homme, et c'est important de se rappeler qu'il est un homme. Parce que si nous commençons à croire qu'il est exceptionnel, si nous pensons, enfin, il est exceptionnel par sa foi et par les miracles qu'il a fait, par les réformes qu'il a entreprises, mais sa naissance n'a pas été exceptionnelle, c'était une naissance tout à fait normale, si ce n'est cette lumière. Eh bien, si on va croire que le prophète est né déjà circoncis, si on pense que lorsqu'il est né, il y a eu tous ces événements, nous allons nous dire quoi finalement? Ou vos enfants demain vont vous dire quoi? Mais je peux pas ressembler au prophète. On me demande de faire la sunna, de lui ressembler. Mais je pourrai jamais lui ressembler, parce que il n'est pas aussi humain que moi. Or, si nous pensons, et à juste titre, nous devons le croire, parce que wa Muhammadun illa bashar. Muhammad n'est qu'un être humain, mais le meilleur d'entre nous. Muhammad n'est qu'un être humain, mais il est khayrul khalqillah. Muhammad n'est qu'un être humain, mais il a été choisi par Allah Azza wa Jal pour être le sceau de la prophétie. Mais parce qu'il est humain, je peux tenter de lui ressembler. Je n'y arriverai jamais, je ne peux jamais l'égaler. Je ne peux même pas tenter de le dépasser, mais je me dois de lui ressembler et je peux essayer de lui ressembler, en tout cas le prendre pour modèle et pour exemple, parce que c'est un être humain et que je suis un être humain. Tout simplement, et ça c'est quelque chose qui est important à souligner lorsqu'on évoque la vie de notre prophète, alayhi salatu salam. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu salam, il va être allaité par sa mère Amina, quelques jours après par Thuwaiba que nous avons évoqué. Et ensuite, sa mère va pratiquer cette tradition que les Arabes faisaient, qui était d'envoyer son enfant dans ce qu'on appelle Al-Baïda, le désert, loin, parce que pour eux, en fait, c'était un moyen de protéger l'enfant. S'il va rester dans la ville, il y a énormément d'individus. S'il reste dans la ville, il y a un risque. Le risque que l'enfant tombe malade, qu'il décède, qu'il soit au contact de maladies. Et donc, on a tendance à envoyer l'enfant tout simplement en dehors, et c'était surtout les nobles qui faisaient ça, à envoyer l'enfant dans le désert. Notamment, c'était pour le protéger au niveau de sa santé, et en plus de ça, c'était une espèce de confinement, mais pas pour le Covid, mais pour les différentes maladies, et en même temps, c'était un camp d'éducation, parce que là-bas, ils deviennent plus robustes, et ils apprennent mieux la langue arabe. C'était finalement des sortes d'écoles, des écoles un peu, comment on peut dire, précurseurs, dans lesquelles, avec de nouvelles méthodes,
Parce qu'on va mettre les enfants, il y a beaucoup d'enfants déjà sur place, comme des crèches aujourd'hui, vous voyez, un enfant qu'on met à la crèche, tout simplement, il apprend plus rapidement, plus facilement à parler, eh bien, en envoyant les enfants chez la nourrice, c'était en quelque sorte une crèche, parce qu'il va être autour de plein d'enfants, il va pouvoir s'exprimer plus rapidement, parler plus rapidement, et en même temps, il est protégé sur le plan de la santé. Et la personne qui va le récupérer, c'est Halima, Halima As-Sa'diya, mais c'est une autre histoire, et c'est une histoire qu'on découvrira la semaine prochaine, bi-idhnillah, insha'Allah. Et on va pouvoir clôturer cet épisode-là en demandant à Allah Azzawajal, puisque nous avons commencé avec, en parlant de Hacham, et en disant qu'il y a cette lumière qui va sortir d'Hacham vers... vers la région, cette lumière qui sort de la mer du prophète vers la région de Sham, nous demandant à Allah Azzawajal, qui est Ar-Rahman et Ar-Rahim, de descendre de sa rahma pour nos frères et nos sœurs en Syrie. Puisse Allah Azzawajal permettre à nos frères et nos sœurs qui se trouvent dans toute la région du Sham et dans tous les pays qui aujourd'hui englobent la région de Sham, puisse Allah Azzawajal leur donner de la facilité, puisse Allah Azzawajal leur permettre de retrouver leurs droits, leur dignité et leur honneur. Puisse Allah Azzawajal débarrasser nos frères et nos sœurs qui sont en Syrie des deux monstres qui existent dans ce pays-là, à la fois leur président Bachar al-Assad et l'État islamique qui est en train de les tuer injustement. Puisse Allah Azzawajal permettre à nos frères et nos sœurs qui sont en Syrie de retrouver la paix, la sérénité qu'ils avaient. Puisse Allah Azzawajal, lui qui est Al-Jamil, qui est beau, permettre le retour de la beauté, de la richesse qu'il y avait dans cette région-là. Nous demandons à Allah Azzawajal, qui est Al-Karim, le généreux, de permettre d'enrichir à nouveau nos frères et nos sœurs en Syrie pour qu'ils retrouvent leur cœur et leur tempérament généreux qu'ils ont toujours eu. Puisse Allah Azzawajal, celui qui est Al-Fattah, leur permettre une victoire sur les monstres qu'il y a sur place, à la fois leur président et les différents groupes qui sont en train aujourd'hui de détruire la beauté de ce peuple. Puisse Allah Azzawajal de nouveau unir les familles syriennes qui ont été séparées les unes des autres. Puisse Allah Azzawajal permettre cela à nos frères et nos sœurs qui sont en Syrie, mais aussi à nos frères et nos sœurs qui sont partout dans le monde, et nos frères et nos sœurs en humanité. Toute personne qui a été séparée de ses proches, puisse Allah Azzawajal lui permettre de les retrouver. Et s'il ne peut pas les retrouver dans Dunya, puisse Allah Azzawajal permettre à nous les croyants de nous retrouver dans l'Akhira. Puisse Allah Azzawajal nous permettre de nous retrouver dans l'Akhira. Puisse Allah Azzawajal faire de nouveau que la terre d'Hacham soit un paradis. Puisse Allah Azzawajal illuminer, lui qui est à nous, illuminer la région d'Hacham. Puisse Allah Azzawajal protéger Hacham. Puisse Allah Azzawajal préserver Hacham. Puisse Allah Azzawajal permettre que le secours sorte d'Hacham, que la beauté sorte d'Hacham. Puisse Allah Azzawajal être aux côtés de nos frères et de nos sœurs qui sont dans Hacham. Et si Allah Azzawajal, par son immense sagesse et par sa grande science, a décidé que le retour à la paix et la sérénité et la quiétude ne peut pas être maintenant, si Allah Azzawajal a décidé que la paix ne peut pas être retrouvée dans Hacham maintenant et que Hacham ne peut pas être ce paradis qu'on a toujours connu, ce paradis terrestre, eh bien puisse Allah Azzawajal accorder le paradis à nos frères et nos sœurs qui se trouvent dans la région de Hacham. Puisse Allah Azzawajal leur faire voir un autre paradis plus grand et éternel et plus beau et qui dépasse toute notre imagination. Allahumma amin, 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 ya rabbal alamin. Puisse Allah Azzawajal nous permettre continuellement de pouvoir apprendre de la vie de notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu salam. Puisse Allah Azzawajal nous permettre d'être de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont attachés à lui, de ceux qui font vivre sa mémoire et son histoire. Puissions-nous être à la hauteur de ce qu'il nous a légué, à la hauteur de ce qu'il nous a laissé, à la hauteur de ce qu'il nous a transmis. Puissions-nous être des modèles, bi-idhnillah, lui qui sera témoin pour nous et nous témoins pour les hommes et pour les hommes avec un grand H. Puissions-nous être des témoins qui sont à la hauteur. Allahumma amin, amin, ya rabbal alamin. Enfin, puisse Allah Azzawajal accorder de la félicité. Puisse Allah Azzawajal accorder de l'amour, de la compassion, de la quiétude, de la sérénité et tout ce que les administrateurs de la chaîne Facebook Mohammed et ceux qui sont derrière eux et ceux qui sont à l'origine de ces interventions-là, ceux qui m'ont rappelé, qui m'ont
présenter aux différents administrateurs de la chaîne et ceux qui me permettent aujourd'hui d'intervenir, puisse Allah Azza wa Jal leur permettre d'avoir tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils demandent, tant que c'est un bien pour eux, et puisse Allah Azza wa Jal vous accorder et nous accorder toutes les invocations qu'on a demandées pour nos frères et nos sœurs dans Cham, puisse Allah Azza wa Jal l'accorder pour nous-mêmes, où que nous nous trouvions, dans n'importe quel pays où nous nous trouvons. Allahumma amin, amin, ya rabbal alamin, barakallahu fikum, jazakumullahu bi alfin khayran wa khayra, et puisse Dieu vous préserver à vous aussi, incha'Allah. Et jazakumullahu khayran. Bonne soirée à vous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. À très bientôt, incha'Allah. À la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.